This fierce machine which you have built, upon which we stand, will bring an end to the Senate. Je porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre reste... You'll bow to the First Order and will remember this. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. As the last day of the Republic. Vive la République! Vive la France! Soit le gars se drogue, et ça a l'air d'être sacrément de la bonne, soit franchement, c'est sûr, il est passé du côté obscur de la force. Salut à tous, bienvenue dans une vidéo. Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler du film Rogue One, un film qui fait partie de la saga Star Wars, un spin-off, auquel j'attribue la note de 16 sur 20. Voilà très clairement un film qui va réconcilier les amateurs de Star Wars qui n'ont pas apprécié Le Réveil de la Force. Parce que voilà, ce film est extrêmement fidèle aux origines de la saga, c'est-à-dire à l'épisode 4 tout particulièrement. Alors, c'est un film réalisé par Gareth Edwards, à qui l'on doit le super, mais vraiment, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, le film Monsters, et le plutôt bon Godzilla. Alors franchement, c'est clair, il n'y a pas photo. Le film, niveau univers, niveau richesse visuelle, niveau scénario, niveau ambiance, tout ce que vous voulez, c'est du Star Wars, mais pur et dur. Vraiment, là, on retrouve ce que n'avait pas réussi à faire Le Réveil de la Force. C'est d'une fidélité aux origines de la saga, c'est vraiment impressionnant. On sent clairement qu'ils se sont libérés d'un poids en réalisant ce film, les studios Disney, et qu'on dirait même pas du Disney d'ailleurs, franchement, hein, c'est vraiment, pour le coup, le film a des couilles, et puis il ose faire des choses que n'osait pas faire Le Réveil de la Force. Ce film s'adresse vraiment aux amateurs de la saga, et c'est pas de rattraper comme ça des jeunes pour plaire au grand public. Donc comme je vous le disais, niveau décor, c'est vraiment parfait, la réalisation est très propre, c'est vraiment bien fait. Gareth Edwards sait vraiment filmer les catastrophes, les explosions, les engins qui sont immenses, qui dominent la Terre comme ça, à la Godzilla, hein, forcément, on fait souvent le rapprochement dans ce film-là, de la nature qui prend le pas sur l'homme, etc. Enfin vraiment, voilà, c'est très présent dans ce film. Et il y a aussi, c'est pas souvent le cas dans Star Wars, des très bonnes chorégraphies au niveau des bastons. Il n'y en a pas énormément, mais c'est vraiment très bien chorégraphié. Le gros point noir du film, pour moi, c'est clairement l'attachement au personnage qui n'est pas réussi. Déjà, le film entame sur une scène d'introduction qui est déjà du déjà-vu et qui devrait susciter beaucoup d'émotions en nous, mais c'est pas le cas, et surtout, ça fait vraiment vu et revu, c'est très cliché, et au final, c'est une scène qui devrait avoir énormément d'impact et qui devrait nous permettre de nous attacher au personnage. C'est pas si efficace que ça, franchement. On a du mal à s'attacher au personnage. L'actrice... Je suis pas convaincu par son jeu, même si elle a un certain charisme. Voilà, il y a plusieurs personnages comme ça et plusieurs acteurs où je me suis dit, ouah, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est un peu dans le surjeu, c'est un peu dans la caricature. Et au final, ce qui est vraiment dommage, c'est que le personnage le plus attachant du film, c'est un robot, quoi. C'est pour vous dire que c'est un peu le défaut qu'a Gareth Edwards dans tous ses films, en fait, particulièrement dans Godzilla. C'est qu'il privilégie le monstre et l'humain est pas assez développé. Mais dans Star Wars, c'est pareil. Dans Rogue One. Les humains sont là pour faire évoluer une situation, pour mettre en place un scénario, etc. On les suit. Alors oui, forcément, ça matche bien entre les différents personnages, il n'y a pas photo là-dessus, mais vraiment, ils sont pas très attachants. On connaît pas grand-chose d'eux. Les personnels, les rôles secondaires qui, malgré tout, sont bons, sont limités à une scène d'héroïsme chacun. C'est un peu, voilà, ils sont pas assez complexifiés. Je dis pas qu'il faut nous dire d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, machin, etc. Mais il faut leur donner... matière à ce qu'on vraiment s'attache à eux. Une scène héroïque, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je vais spoiler un tout petit peu là, donc si vous voulez pas vous accélérer de 30 secondes, il y a des apparitions de Dark Vador, mais ça c'est génial, c'est vraiment super bien fait. Mais ils volent la vedette, clairement quoi, ils volent la vedette. Le personnage est tellement emblématique, est tellement fort, est tellement puissant, que quand il apparaît, bah, après tout le reste paraît vraiment plus fade. Bon alors clairement, il est un cran au-dessus du Réveil de la Force, de l'épisode 7. Mais j'avais quand même bien aimé l'épisode 7.
pour être franc, même si évidemment c'est un espèce de reboot maquillé pour attirer les nouveaux spectateurs, les jeunes, etc., pour les faire rentrer. C'est clairement un gros produit commercial, le Réveil de la Force. Celui-là, ça n'est pas le cas. Mais à comparer les deux, c'est clair que je préfère celui qui assume, qui a de l'ambition, etc. Mais franchement, le Réveil de la Force, pour moi, avait de grandes qualités, ne serait-ce que dans la réalisation. Après, c'est dommage, il y avait Harrison Ford qui jouait comme une huître, mais sinon, franchement, il y avait des bonnes choses dans le film. Donc, à comparer les deux, il y avait plus d'émotion, je trouve, dans Le Réveil de la Force que dans celui-là. Malgré tout, Rogue One, je pense que ça va plaire à tous les fans de Star Wars, c'est sûr. Donc, je vous encourage vivement à aller le voir, et sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao!